Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le step pour le tennis et avoir un jeu de jambes de grande qualité. Salut, c'est Fab de progresserautennis.com. Le step est connu dans le monde du fitness pour la remise en forme, pour le travail de cuisses ou de fesses. Cela demande de l'adresse et un peu de cardio. Mais si on y ajoute de la vitesse et de la force, on a les ingrédients pour avoir un engin très efficace pour le tennis et voire même amusant. Dans cette première partie, nous allons voir des exercices avec piétinement, c'est-à-dire que les pieds gauche et le pied droit sont dissociés comme si on marchait ou on courait. Dans la deuxième partie, on va voir des exercices en ciseaux, c'est-à-dire que les deux pieds vont bouger simultanément, mais vont être séparés. C'est-à-dire quand le pied gauche sera en haut sur le step, le pied droit sera en bas. Dans la troisième partie, nous allons voir des exercices avec pieds joints, c'est-à-dire pieds serrés.
Dans la quatrième partie, nous allons voir des exercices avec pieds écartés, que certains appellent pieds larges, ce qui m'étonne un petit peu. Donc, c'est-à-dire que là, la distance entre le pied gauche et le pied droit est assez importante. Donc, ce qui va permettre de travailler un petit peu plus les abducteurs, donc c'est-à-dire les muscles sur le côté des cuisses. Dans cette cinquième partie, nous allons voir des exercices en cloche-pied. Donc, évidemment, avec les deux pieds, soit cloche-pied gauche, soit cloche-pied droit.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt.